Bonjour, merci de vous être déplacé pour d'abord rencontrer vos élus qui viennent dans votre quartier, vous apporter un certain nombre de réponses à vos questionnements. En tout cas, c'est le but de vous présenter. Nous avons fait, et monsieur le président du CIQ, Antoine Justeau, voilà, qui a la charge d'animer le CIQ. Le CIQ, c'est ça aussi, le comité d'interdit de quartier. Son rôle aussi, c'est d'être le relais des habitants par rapport aux problèmes et aussi, des fois, aux satisfactions que vous pouvez faire remonter. On est preneurs aussi, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien de les entendre de temps en temps, puisqu'on a une équipe d'élus qui œuvront à la Ciotat dans l'intérêt général et pour améliorer votre quotidien. Et là, on a décidé de faire autrement, de venir vous présenter d'abord les projets qui sont dans votre proche environnement. Eh bien, au moins voir tous les problèmes qu'il y a là. On a plein de petits panneaux déplacés, des trucs comme ça là. Et comme ça, c'est fait sur place, de suite. Si vous rencontrez là-bas, c'est toujours bon. C'est toujours très enrichissant et ça fait la proximité avec l'habitat. Et bien sûr, il faut renouveler, il faut faire assez souvent. Ah, moi, je trouve que c'est même très très bien. Comme ça, le maire est très proche de citadins. Et on voit pour les projets. Et ça avance, et c'est très vrai. Donc aujourd'hui, c'est pour rencontrer les élus du territoire et de notre quartier et faire un peu voir un peu les nouveaux projets. Très bien de venir au contact du quartier et des résidents, c'est une belle chose. C'est bien de venir sur le terrain, voir comment ça se passe et voir échanger avec eux en direct. Alors nous sommes venus pour parler d'un problème qui nous concerne un peu particulièrement, c'est le devenir de la multipropriété Loupentaille. Ce problème-là, on voulait l'évoquer avec monsieur le maire, voilà.